Bonsoir à tous, mes très chers alcooliques. Ici votre dernier. Regardez ce petit bonhomme là qui se balance en bas. C'est John Cena. N'est-il pas trop mignon? J'ai rajouté ça aujourd'hui. En fait, j'ai envie de rajouter des nouveautés sur la chaîne. Je sais pas quoi faire. Donc du coup, je réfléchis. On a fait une nouvelle scène, du coup, celle qui est présente. Mais je voudrais faire d'autres choses. Je sais pas trop quoi. Alors je réfléchis. Peut-être trouverai-je, peut-être ne trouverai-je pas. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. C'est le dernier stream de la semaine sur Monster Hunter World. Et on est content. Très content d'être parmi vous. Dernier stream de la semaine de Monster Hunter World. Pourquoi? Parce que du coup, à partir de samedi, je suis en vacances et que samedi, on reprend la run découverte sur Dark Souls Remaster. Le dernier des Souls qu'on n'a pas fait. On me demandait. Mais qu'est-ce que tu veux, le chat? Viens. Et on me demandait la dernière fois quel sera le jeu que tu feras après. Je pense qu'on fera très certainement. Comment il s'appelle hein, Helldivers 2, le jeu que tout le monde joue en ce moment. Ouais, c'est ça, Helldivers 2. On fera très certainement ça à partir de la semaine prochaine. Du moins, on le fera en même temps que MH. Je pense. On fera selon les envies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lancer le jeu. Compliqué ce jeu avec les serveurs. Apparemment, les serveurs sont un peu fatigués, mais ça dépend. Moi, j'ai des avis. J'ai des gens. Il y a des gens qui me disent effectivement qu'il y a des soucis avec le serveur, et d'autres qui viennent me voir en me disant il n'y a aucun problème. Bonsoir éternel. On me dit qu'il n'y a aussi aucun problème. Donc, ça devrait être un petit peu au petit bonheur la chance. Surtout qu'en plus, il y a des problèmes avec les serveurs. Mais nous, dans les heures de stream, dans les heures de game, on sait quand même relativement tard. Je pense qu'il y aura quand même moins de problèmes. Dans les heures où on joue, il ne devrait pas trop y avoir de problèmes. Donc probablement que je ferai ça. Je verrai. Le streamer atteste ces heures que je suis, ben c'est une horreur, ben je sais pas. Après c'est pas défini encore, hein, donc c'est pas sûr, mais ça fait un moment que je vous en parle. Pas un moment, depuis que le jeu est sorti, il me tente, donc on verra. On verra déjà où ça en est. Au moment où on aura fini DS1. Parce qu'en tout cas, c'est pas au moins avant qu'on ait fini Dark Souls 1. Vous savez que j'aime pas lancer un milliard de jeux en même temps. Donc on va à ce moment-là. Vous avez identifié la session qui est disponible. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on s'attaque au Fatalis. Ça serait peut-être bien. Pendant ce temps, le temps que vous arriviez, on va balancer un petit jackpot. Ah, donc à voir. En plus, moi, j'ai plein de potes qui y jouent. Helldivers. Donc du coup, j'ai un petit peu envie de prendre le train en marche là. On va voir. On verra la semaine prochaine, tout aussi bien la semaine prochaine. Les problèmes de serveur seront déjà réglés. Hein, donc, ou pas, on verra. Un petit peu fatigué aujourd'hui en même temps, c'est mon 9e jour de taf. Parfait. C'est mon 9e jour de taf, donc... Mais bon, j'avais quand même envie de streamer et de vous rejoindre. Il n'y a pas un seul billet louvérien. La vie est-elle donc si triste? Allez, à bout le pognon. Bien, le système est revenu à des niveaux normaux. Ne voulons pas voler en bandit.
Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Hein. On a des quêtes libres à faire, des quêtes nulles. Après, ça serait bien aussi qu'on farme un petit peu les compos pour transcender nos armes. Au moins, ça serait bien que je transcende une de mes armes. Éternel qui attend l'ordre de la session. Je vous rappelle, vous avez l'identifiant de la session qui est disponible en message épinglé sur le chat. Il me tente de jouer à des ADS aussi. Samedi soir, 23h30. Samedi soir, ça sera de 23h30 jusqu'à 3h du matin, probablement. Voire 3h30. Plutôt 3h30. Tout, tout, tout. Dimanche, lundi, ce sera jusqu'à 5h du matin. Mardi, ce sera jusqu'à 3h. Et ça, c'est sûr que ça sera pas plus tard. Voire, ça sera même peut-être 2h30. Ce sera un petit stream. Et puis après, le restant de la semaine, ce sera jusqu'à 5h. Tout, tout. Pourquoi plus tôt, vous me direz parce que du coup, la vie de parents. Qu'est-ce qu'on en a du combustible? Je pourrais le cramer pendant une demi-heure, je pense, tellement j'en ai. Bah bon. C'est déjà bien d'aller jusqu'au premier jackpot, après, ça sert plus à grand-chose. Voilà. En parlant de jackpot. De la merde! Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le serveur là? Je pense pas, je crois qu'il y a que Eternel. Hein. Ce qui est déjà très bien. D'ailleurs, Eternel, beaucoup de monde me dit. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire du bien de Eternel. Hein. Incroyable, non? Bonsoir, Eternel. Oh putain, c'est bien là. Hey. J'ai peur. Je suis en train d'écouter ton live et puis bon. Oui, du coup, tu disais. Coucou. Tu vas pas faire une zodiac à un moment donné. c'est peut-être pas la bonne idée quand même. Je disais que beaucoup de monde me disait du bien de toi. Du bien de moi, ok. De toi, de toi-même. Oui, oui, oui. de moi, mais... Oui, mais c'est là que j'ai bugué en fait. Mais moi je leur ai dit pourquoi. Et ils m'ont dit, mais elle est sympa. Ah! Je leur ai dit, mais vous jouez pas avec elle, vous savez pas comment elle est. Si, si, elle est vachement sympa, c'est toi qui es un con. Ah! Bon, voilà. Double A. Après, d'un côté, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Qui a raison, qui a tort? Nous, on verra. Je suis en train d'essayer de faire un peu les nuls. Tu fais quoi du coup toi? J'essaie de faire les détenus un peu en attendant en fait. Ah oui, ah oui. Bah ça occupe. J'avais la chance d'en faire un moment, j'avais pas peur d'arriver. Ce qui serait peut-être bien, je me disais, c'est qu'on commence à se préparer pour le Fatalis. Qu'est-ce que t'en penses hein? Le Fatal quoi? Moi j'ai pas prévu de le faire, hein, ou quoi? Le... Ah, ça capte pas. Allô? 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 Ouais? Ouais, je passe sur un tunnel. Attends, redis. Le Fatalis. Non, ouais, j'ai même pas fait la PA. Déjà, il faudrait. Je me demande si ça se tente pas de. Du coup, de se. Carrément de. De faire du Vulcanate avant pour voir si le stuff est pas mieux. Oh, petit Fatalis. J'ai même pas fait la PA. Mais avant de faire Valkana et tout, ce qui serait bien, c'est qu'on choisisse une arme à transcender. Moi, j'ai commencé à les transcender, mes armes. Ah, t'as commencé? Ouais. Tu les transcendes comment, avec quoi? Moi, c'est des arcs, donc c'est les LM plutôt. Un transcende, enfin, genre au niveau 3 en régène. Et après, le reste, ça va en LM, quoi. Je pense que par exemple, si c'était des dégâts, des dégâts bruts, ça serait attaque, affi et peut-être un régène. Je sais pas trop. Parce que la régène, ça change pas beaucoup de ce qu'on m'a dit. Il y a des trucs qui changent pas beaucoup. Comment dire. Ouais, selon les armes, c'est plus ou moins. C'est plus ou moins efficace.
Bah oui, je crois qu'on m'a dit que d'ailleurs. Bah c'est, ça, vrai, voilà, c'est vrai que pour arme à distance, c'est pas fou. Moi, pour la morpho, c'est la régène, c'est très fort. Mais parce que vu que je mets avec ma charge, je balance plein de coups. Tu combines ça à la cape immuable, je chope le monstre et je le lâche plus, quoi. Donc, bah, il faudrait que dans le fief. Et là, il y a d'ailleurs, oui. Fille, c'est fini. Hein. Ah, il est fini, sa fille, là. C'est la coulevée maintenant. Ouais. Moi, il faut l'organiser pour en faire d'ailleurs, du coup, par contre. Moi, il faudrait que je fasse ce soir que je chope le. Alors, je peux pas. Il me faudrait que je chope les dans le plateau du corail les minerais rares, hein. Les minéraux rares. Hein. Et qu'on et du zinogre. Et non, parce que du coup. Ah, il faut que tu l'annonces, mais je fais que tu l'annonces. Ouais. Moi, je veux up le biome corail, donc c'est bon. Je suis tapé sur le corail, non? Ouais, mais le problème, c'est que si on tape sur le corail, ça va nous baisser le reste. Donc, bah non, parce que moi, j'ai utilisé le MH Save Editor. Déjà, t'as de la marge avant que ça baisse le reste, parce que, voilà. Mais MH Editor te permet d'avoir plus ou moins tous les biomes, en fait. Ah bon? Alors, ils sont pas tout de suite level max, mais tu peux les avoir, tu peux les monter, quoi. C'est la question. D'accord. Et vu qu'en ce moment, je suis pas mal solo, pour le coup, c'est bien pratique, quoi. En tout cas, moi, ce qui m'arrangerait ce soir, hein, ça serait qu'on fasse du zinogre normal. Hein. Ouais, on peut en invoquer. En plus, je crois qu'il peut s'invoquer dans le même corail. Pourquoi il faut du zinogre? Mais du coup, il faudrait quoi qu'on parte chez toi en fait hein. Ouais, pourquoi tu veux du Zignog? C'est pour la régénération de la morpho. C'est pas du Zignog qu'il faut. C'est. Si, c'est. Ce qui me manque du coup, c'est. C'est les électrochocs mortels. Et les os de dragon glorieux, mais du corail. Et surtout. Ah ouais, tu vois, et étrangement. Ah si, je l'ai. Tu vois, je vais regarder étrangement mortel. Ah. Sur mon site, j'ai toujours rien. Donc... Et. Ah merde, putain. Électrochoc mortel, ça, ouais. Ouais. Ok, donc... C'est mieux quand c'est dans une langue qui est haute, apparemment. Donc il y a une langue height, ok. Et en fait, s'il est en alpha, si je me trompe pas, bah là, je viens de le faire avec raison, en fait. Si tu le chopes en alpha... moi j'avais chopé des pièces en alpha qui manquaient, c'est des écailles de je sais pas quoi. Mm-hmm. Que à la vie tu peux retransformer dans l'autre sens en inférieur, en niveau inférieur. Ouais. Tu vois. Donc si il tombe en alpha, puisque le biome est assez élevé pour qu'on invoque en alpha, on pourra réinverser chez la vieille. Donc du coup là il faut qu'on parte chez toi et. Ouais, on va partir chez moi. Ok. Je finis juste ça. Oui, je t'en prie. Juste la couleur. Je t'en prie. Si je vais voir s'il n'y a pas une nouvelle tenue pour moi aussi. Dans la foulée. Forger, armure spéciale. Je suis dark looké. J'aime bien celle-là. Stuff explode, je pense. Il nous faut du gelog. Je viens de penser. Peut-être. De quoi? Il nous faut du géologue.
Oui. Tu fais bien d'y penser parce que j'y avais pas pensé. Des fois, j'ai des éclairs génie, mais c'est rare. On dit pas trop. Ce sera notre petit secret. Ouais, c'est ça. Mais après, les gens, ils vont demander et tout, tu vois. Soir, genre, mon syndrome de bourgeon, il me fait chier. Je vais choper mon télé. Et c'est pas que j'aille la remplir. Du géologue là. Il se peut que j'aille le remplir dans la nuit. La bouteille. Alors, hop. Je vais juste vérifier quand même au compendium. Donc il faut du Zinoc, on a dit ça. Ouais. Ah, il y a Hello qui est en train de nous rejoindre. Ok. Bah du coup on pourra rejoindre plutôt le biome de Hello vu qu'il est au level max. Bah non, comme ça on pourra monter le mien plutôt. On va pas rejoindre le biome de Hello puisqu'on va monter le mien s'il nous faut du normal. Et pas du. Ouais mais à Alpha. Bonsoir Hello. Il nous faut pas du Bonsoir. alpha. C'est ce que je te disais. Coucou. Il faut pas du alpha. Sinon, on va voir que tu vas échanger à la vieille. Comme moi, j'ai dû faire. Il faut du zinogre normal. Ok. Ce qu'elle dit est juste, il faut un zinogre normal que je ne peux pas invoquer dans mon biome parce que les deux biomes qui peuvent sortir un zinogre, je vais forcément le sortir en alpha. Ok. Et si il sort en alpha, il faut qu'on rééchange à la vieille contre des points. Totalement, si tu l'as déjà fait une fois en normal. Donc, vu qu'on n'est même pas sûr de ça, autant partir. Vu que je l'ai pas fait en normal. Je sens, j'en je suis sûr. Si j'en ai assez pour ce soir du vinaigre, sinon je vais craft quelques watres. Je n'ai même pas ces féromones. Il craint quoi, vinaigre comme De tête la glace, mais je vais vérifier. Je lance mon fief comme ça. Vas-y, vas-y. Bon après pour le coup, s'il y en a alpha intéressant, on le fera aussi, hein, je pense. Non. Il craint la glace. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, s'il y en a un qui vaut le coup, peut-être autant de le faire. Quoi. Ça peut toujours faire des joyaux anciens, machin truc. Là. Oui, on verra sur le. Ah bah, il y a un Lunastra Alpha avec une couronne. Pour le coup, ah je veux bien le faire si. Non, non. Quoi mais non, Lunastra, oh, non, c'est pas. Mais si pas. Je l'ai jamais fait, moi. Mais j'aimerais bien le faire. Mais raison de plus mais si s'il te plaît. Mais si mais si Hello, s'il te plaît. Mais on va pas aller volontairement se faire ouvrir le fion par une Lunastra. Non, on va pas se faire ouvrir, on va la déglinguer. On va la déglinguer, la couronne en plus. Papa t'avait promis. S'il te plaît, là. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est décidé, hein, donc je suis. Hein, mais, Bon, bah, go faire la Lunastra Alpha. Yes. Parti, yes. Il est ouvert. Ne t'inquiète pas, Hello. Ça fait même 5 minutes que je suis là, je regarde déjà. Quoi. Ne t'inquiète pas, Hello. Ça va bien se passer. Une petite. Ah, bah, tiens, tu sais, le streamer dont je te parlais qui fait du Eldiver en ce moment, qui essaye, du moins. Oui. Il vient de lancer son live, donc je vais te dire s'il arrive à ce coup en même temps. Mais là, j'ai vu un truc comme quoi ils ont. Les développeurs de Eldiver, ils ont implémenté un truc que. Les joueurs AFK pendant 15 minutes maintenant sont automatiquement déconnectés. Donc ça devrait alléger un peu les serveurs. Ah parce que moi je suis bien. Moi je pense que je suis bien chaud pour commencer l'aventure Helldivers. Hein. Mais je t'aurais dit que je t'aurais bien suivi sur si t'avais fait du grand blue like. Ouais. Je sais pas si je vais faire du Helldivers. Bah après, peu... après Monster Hunter, tu vois. Bah c'est pas pareil, enfin je sais pas. Ou autre chose, mais pour le coup Helldivers. Je sais pas si je vais payer 30 euros pour aller en fait. C'est plutôt le problème. Bah ouais, je comprends. Hop. Comment ils ont augmenté ces PV au fur et à mesure que vous êtes arrivés. Ah, mais de toute façon, il y a Hello. Ça ne peut que bien se passer. Bah ouais. Je me dédouane de toute obligation et toute.
comment dire, considérer que je suis au niveau d'Eternal. Hein, là, c'est pas vrai. Attends que ça. Non, c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai déjà trouvé le monstre. Voilà, donc tu vois, perdu. Je suis pas parti, en fait, je me buff. Donc je vais pas chercher. Oui, j'ai trouvé le monstre. Il est dans le volcan, non? Oui. Putain, il faut des boissons fraîches. Oui. Ah, oui. Il y en a à l'entrée. Oui, non, mais j'ai pas la place de craft. Faut que je prenne la boisson fraîche toute prête, en fait. Moi, j'ai jamais fait une Astra là-dedans. Ça aurait été dommage. Ça fait longtemps que je l'ai pas affronté, ce monstre. C'est sûr. Dommage. Non, c'est dommage. Là. Ça aurait été très dommage de passer à côté de ça. Il donne pas des matériaux utiles en plus, lui. Si, je pense. Alors, elle, parce que c'est une fille. Hein. Oui, elle. Excusez-moi. Pour moi, c'est un. C'est... Pour moi, c'est un petit peu la réincarnation de la tavernière, ce monstre. Hein. Ouais. Parce qu'il est bien vénère. Hein. Ah, je... Ouais. J'espère qu'elle dort bien. Un truc genre, parce qu'elle a le feu au cul. J'espère qu'elle dort bien, la tavernière, là, du coup. Elle fait un gros dodo, là. Après, hein. Parce que si elle t'a tendu, t'es mort, hein. Il y a bien quelqu'un qui va clipper, t'inquiète pas. Ça va encore finir contre moi cette histoire. Ah bah ça va pas finir avec toi, c'est sûr. Ça. Bah, il en marche plus qu'un lapin en quelques temps, ça ira mieux . Pour l'instant, je trouve que ça se passe très bien. Ouais, non, mais tu vas voir, moi je l'ai fait en alpha pour le coup. J'ai pris un bus magique. Hein. Un bus magique. Ouais, moi c'est quand je dis que je prends beaucoup de dégâts, c'est un bus magique. Hein. En AS1 en plus, il n'y avait pas de retour, les flammes elles font hyper mal. Ah ouais, ça descend bien, dis donc. Ouais, non, t'as. Puis il en met partout, hein, tu vois, il n'y a pas de. Elle. Le monstre, oui, mais si on dit le monstre, c'est il. Mais je pouvais pas me soigner parce que du coup, elle me repoussait à chaque fois. Mais tout va bien, hein. Tout était calculé. Oui, bien sûr. Non, en vrai, je pouvais. Ce monstre n'est pas un problème du tout. Ah non, pas du tout. Pour l'instant, je m'amuse comme d'ailleurs, un petit fou. Mais les Lunastra, je crois, sont forcément femelles, donc on peut dire elles. Oui, mais il n'y a pas de féminin, de monstre, du monstre en fait. Ça du même à mal. Monstruosité. C'est pas pareil, je crois. Ah, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin, mais je crois que c'est pas pareil au niveau du français. C'est pas pareil, tu as raison. Au niveau de l'étymologie, tu dois avoir la même base, mais. Ou la même racine, une racine commune, mais ça a dû dévier. Oula, ma vie. J'avais pas vu. Ma vie a glissé, chef. Ouh, ça va piquer, ça. Moi je trouve aussi bien le Théostra, je trouve qu'il est moche comme monstre, aussi la Lunastra, je trouve que c'est un joli monstre. Hein.
casse-couille, mais jolie quand même. Impératif, si elle me pétait pas autant le cul. Oh putain. Ah, aux antennes, niveau vie. Faut que je tape pas, mais je vais tenter un peu. Okay, j'allais le faire. Et vas-y. J'allais le faire. Ah oui, vas-y, va-t'en. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal pour l'instant. Ah, des gisements géants sont apparus dans le volcan. Et merde. Elle est enragée, donc elle est pas limitée à la zone où elle se déplace. Putain de merde! Il fallait que tu l'ouvres. Hein. Il est glissé, chef. Je trouve qu'on se sort pas si bien. Bizarre, mais c'est fou. À chaque fois que je dis un truc, c'est le... je me fais karma Ted hein, à chaque fois. Ah bah là, ouais, carrément. Non. Toi, Helldivers, tu l'as ou pas? Non, mais je pense qu'un coup je me le prendrai parce que ça a l'air sympa quoi quand même. Mais c'est plus, c'est un peu comme Monster Hunter, ça fait partie de ce genre de jeu que je me prendrai pas pour y jouer seul quoi. Ouais, tu vois, moi je suis un peu dans cette idée là aussi. Hein. Pareil, mais là moi c'est obligé pour moi, hein. Genre. Genre là pour le coup, je vous accompagnerai plus tard quand je vais gérer un peu mieux. Hein, parce que... Mais oui, t'en fais pas. Une obligation. Hein. Bah pour moi, ça ressemble à un jeu un peu comme. Je sais pas si vous avez fait le World War Z, donc il y avait World War Z, ou juste comme ça en fait. Non, j'avoue, ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué. Bah en gros, c'est des missions, tu dois être là, tu es en ville, là, c'est des trucs dans l'espace, tu vois, mais. Enfin, le principe. On va voir si j'attire le mauvais karma. Je trouve que Hello Kitty s'en sort très bien depuis tout à l'heure. Mais ouais, typiquement, Helldivers, c'est comme MH, quoi. C'est vachement mieux en groupe, en fait. Hein. Oui. Bon, je suis pas tout à fait sûr que ce soit les mêmes communautés. Que quoi, pardon? Je suis pas tout à fait sûr que ce soit les mêmes communautés. D'où l'idée d'y jouer de primade, hein, donc. C'est ça qu'on s'entend. Parce que je veux dire, je suis pas sûr que je vous aurais rencontré sur un jeu comme Helldivers. Alors ça... Je sais pas, hein. Peut-être. Ouais, j'ai vu quelques streams avec quelques communes différentes. Toi, c'est un streamer que je connais, donc je reste parce que c'est que j'ai apprécié le streamer. Moi, je suis pas trop resté, tu vois, je veux dire. Moi je me demande si, en fait moi je me pose surtout la question s'il y a des gens de la chaîne qui seraient intéressés pour le faire avec moi. Pour potentiellement Hello, à l'avenir. Moi aussi, mais Oh une grande gemme, yes. Je
suis pas venu pour rien, moi. Moi, je suis content de l'affronter. Ça fait longtemps. Non, je suis plus content de l'affronter. Ma vie. Monsieur, j'ai ma boisson fraîche qui est partie, donc la de vôtre va pas tarder aussi. Ah, moi, j'ai vu que je suis mort, j'avais déjà pris une autre. Ah, c'est vrai. Voilà. Bonne raison. On va péter ça. Tête. Pas clair finalement. Non, c'est Z. Salut Owen. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Non, je me demande s'il y a des gens de la commune qui s'est intéressé. Bon, on n'est pas très nombreux ce soir, donc c'est pas trop le moment pour demander. T'as deux fois d'affilée, bravo. Mais ce qu'il a fait Hello Kitty, il a fait tomber deux fois d'affilée. Hein. Ah, d'accord. Ça va, Owen. Un peu fatigué parce que du coup, je suis à mon 9e jour de taf et demain, ça sera le dernier avant les vacances. Mais putain de merde, enculé, le saloperie de l'instant de merde! Non, mais le karma, hein. Genre, mais j'ai rien dit, j'ai dit que j'étais c'est content. C'est tout à l'heure pour Hello. Je voulais que Hello meure, donc. Bon, c'est le karma. Du coup, ce sera toi qui vas mourir. Ce sera Éternel. Ouais. Hein. Éternel s'en sort extrêmement bien contre ce monstre. Bah, tout à l'heure, c'est mort, donc tu aurais pas retenté, moi, j'aurais dit, mais. De toute façon, il y a Jard, il y a Owen qui nous rejoint. Ça va te faire du bien les vacances, tout à fait. Oh que oui, Owen. En plus, pendant ces vacances, on va bien, bien jouer à ADS. Je vais kick à mort. Tous les soirs. Hein. Pendant 11 jours d'affilée. Avec des soirs où je finis plus ou moins tard, mais. Ah, c'est bon. Ah, bah, elle est là. Ah, elle est remontée. Bon, bah, j'arrive. Ah un grand génie. Bon, je suis mort. Ciao! du coup, c'est moi qui me retrouve tout seul. Non, moi, je suis pas un je me connais. Il court, le furet. J'arrive. T'as prévu de faire quoi pendant tes vacances? Alors, du coup, on va faire des S1. On va très certainement l'enchaîner jusqu'à ce qu'on le finisse. Un petit peu de MH. Et j'avais dans l'idée de voir avec. Avec les gens, si vous voulez faire du Helldivers pendant les vacances. Hein. Donc je suis en train un petit peu de sonder la commu. Donc je sais que j'en ai un, déjà. Enfin, un. Je sais pas si tu comptais le prendre là, Hello, en fait, hein, mais... Tu comptais le prendre là ou plus tard, hein? Bon, moi, je peux le prendre quand tu veux, de toute façon. Je jouer la semaine prochaine, je peux le prendre, et puis comme ça, je peux te rejoindre. C'est pas juste, vous allez avancer, je pourrais vous rejoindre après. T'as qu'à vous dire. Oui, non, mais alors... Oui, mais t'as pas le mon banquet? Tu me fais un mot d'excuse? Si tu veux. Autant je vois le genre de jeu que c'est, autant j'ai jamais vu un stream ou une vidéo dessus. Donc... Pourtant, des... Alors moi, oui, si, je vois le genre de jeu que c'est. Mais moi non plus, j'ai regardé aucun stream hein, dessus. Aucun stream, aucun. Juste vu une vidéo test et c'est tout. Hein. Oh, il est si bien là. Mais toi, en tant que streamer, t'as demandé des clés pour ta commu. Je suis la plus arrêt. De quoi? Pardon? Dis-toi, t'as en tant que streamer, tu contactes le studio, tu demandes des clés pour ta commu. Oh, j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Oh, j'aimerais bien, gros. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? On est cons, en fait. Mais putain, je les appelle tout de suite. Je sais pas du tout quel studio a développé ça. Mais... C'est pas un gros studio.
Encore une grande gemme. C'est pas un gros studio. Putain, mais... C'est vrai qu'elle nous casse un peu la gueule. Hein. Tu l'as remarqué, ça y est. Ouais. Mais bon, ça nous change un petit peu de d'habitude. Hein. Je sais pas, c'est casser la gueule d'habitude. Non, mais je veux dire de monstre. Mais si tu voulais changer de l'habitude, on pouvait faire un Poké Poké, hein. C'est vrai que ça fait. C'est vrai que j'ai toujours pas affronté de Poké Poké dans cette zone. Ah. Elle va faire prout. Oh, putain, je vais manger dans le vin. Mais ça marche pas. Mais je. C'était une bonne idée, la lune astra. Ta gueule. Vous pouvez clipper le moment où il a dit « J'aimerais bien faire la lune astra, s'il vous plaît. » Il y a rien, un petit montage vidéo avec toutes les fois où il meurt. Shut up. Salut Aquarelle, salut les hunters, comment ça va? La chasse donne bien, je farm dans le fief depuis 18h30, et bam, des gènes mystiques et plein d'ossements inconnus, que du bonheur. Non, en vrai, moi j'aimais pas le fief au début, et puis maintenant, ça va, je trouve que c'est moins pire que ce que ça aurait pu être pire. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Peut-être que j'ai pris goût au farm, hein. Voilà. Et il se couchait, salope. Oh, c'était un bon combat. Non, hein. Je peux pas dire un gros mot, putain. Pardon. Non, j'ai oublié qu'on avait des enfants avec nous. Excuse-moi, Ether. Hein, maman. Oh, une grande gemme. Moi, je suis... mais l'autre, c'est maman. Parfait. Je suis mort, mais je sais pourquoi, du coup. Moi. Si. T'as plus rien à dire, Hello, du coup. Tu sais qui fait plus mal quand on la flash la lune astra? Ah bon? Ça a tendance à plus rapidement déclencher sa supernova là. Je fais mon rapport, ne tapez pas grand chose s'il vous plaît. Puisque, du coup. Ouais, pareil, je vais faire le rapport. Sinon, je suis mort tellement de fois que je peux faire le rapport maintenant, comme ça. Voilà. Moi, j'ai eu un ticket prospérité. Youpi. Quel enfoiré. Nouvelle quête libre disponible. Ah bon, d'accord. Non, merci. Ah, tu vois, regarde, toi qui voulais des trucs corrects, tu l'as pas eu, toi, quand... Ah, moi, c'est pour le volcan que j'ai... moi, j'ai eu pour le corail. Des échangements sont apparus, des carcasses... Ah, son ossement corail est là, effectivement. Ah non, attendez, non, c'est peut-être le mien. Ah, parce que moi, il me faut des... Il me faut que je me farcisse de la... du zinogre, du coup, en normal. Ah, ok, donc ne tapez rien. Vous êtes tous partis, Viens par là pendant ce temps, t'as vécu. Ouais, je suis en train de te rejoindre. Ou alors on va chercher les gisements et j'invoque après, comme vous voulez. Tu peux invoquer, puis on se fait déjà une tournée ossement, ça devrait le faire. Ouais, mais on va bien faire une tournée ossement aussi, mais vous êtes parti. Bon, t'inquiète pas. Vous savez, alors... J'en ai un gros là. Parfait, t'as chopé ce qu'il te fallait. Ah bah oui. Après, ça serait bien que j'en ai plusieurs. Oui, il t'en faut un par transcendance, effectivement. Mais, ah oui, mais je prends, je prends. On va taper dans le corail, ça sera bon. Ah putain de merde de syndrome. Ah. Il est bien fourni, hein, ce cristal des mers. Oh, le style. Pourquoi il y a un truc en dessous là? Il y a un truc spécial ici? Le vide, je crois. C'est pour pêcher.
Là, moi, j'ai un autre truc, une autre carcasse. Oh, Je sais pas si tu la vois il à me faut table. un truc. Par contre, pour le coup, le Tyrannosaure Super Zard, il me J'arrive. faudra aussi. Si ça vous dérange pas qu'on le tape quand Ah on oui, a fait le effectivement. Tyrannogre. S'il vous plaît. En alpha? Oui. Ça... Ok. Parce que tu peux échanger, je peux échanger les écailles, moi je l'ai fait dans les deux. Donc, alpha ou pas alpha, tu vois, je m'en fiche. Comme il est Bah, là, du ça moment que tu l'as m'évite fait au Ah, moins des une fois, gisements moi géants ça sont apparus au Coraya. tu vois? Ah ouais. Ah, mais tu l'as invoqué ici, le Zinogre. Ah oui, Bah bon, oui. j'espère que ça facilite la tâche. Mais c'est pour ça que je vous demandais, est-ce qu'on fait pas une tournée avant? Parce que moi j'aurais voulu aussi drop avant de taper. Bah, on peut faire les deux en même temps. Hein. J'ai la Vas-y, possibilité faisons de les passer drops. un joyau sur mon fusil arbalète léger. C'est bien les joyaux ou pas? Ah, bah oui, les joyaux, c'est Oula. bien. Les Et joyaux, c'est du même très coup, très bien. Hello et enfin, Tav et Owen, après on dirige sur le Berserk, parce que moi il m'en faut, s'il vous plaît. Comme ça. Oui. Ça sera Oui, fait. chef. Marc, je suis bien. Ouh, il va péter celui-là. Oh oui, aquarelle. Hein. De toute façon, les joyaux, c'est juste primordial après pour améliorer tes armes. Les joyaux que tu mets dans tes équipements, tu peux les récupérer derrière, si c'était ça ta crainte. Oui, en plus, tu peux les récupérer derrière. Oui. Laquelle? En privé. Est-ce que je t'ai remonté? Oui? Tu sais, celle que tu m'as dit, c'est quoi ta question? Je t'ai remonté la question. Je t'ai dit celle-ci. Et j'ai re-oublié. Ouais, bah, location 24, c'est si tu penses, je vois bien. Ah, il est beau. consistant, écoute. Ah, C'est pour ça ça qu'il me qu'on faut. le c'est vrai. Ah, c'est avec le boulot, vu que j'étais toute la journée au boulot là Non, pendant. je charrie en vrai, j'ai pas de soucis. Hein. C'est pas. Des fois, quand j'oublie, quand vous m'envoyez des MP, pas qu'à toi, Éternel, mais d'autres aussi, hein, vous êtes plusieurs à me parler. Hein. Souvent, quand je réponds pas, c'est pas que je vous snob, hein, c'est que du coup, Ah j'ai ben oublié. je sais très bien, mais après, des fois, c'est qu'on a une conversation et tu ne réponds pas. Tu réponds à l'autre question, mais pas à celle-là. Oui, Bah je celle-là, il la brûle. Écoute, maman, pourquoi Jade elle est toute nue? Elle est où Jade? Elle serait pas toute nue. Parce que on n'est pas dans Bunny combat Ah, machin mais avec Bunny combat machin. Tu Le parles de truc la d'hier. transcendance, Aquarelle. Tu parles pas des joyaux, tu parles de la transcendance. À la transcendance, ça dépend de ton arme après. Ah, mais j'avais pas compris, Aquarelle. Ça dépend de ton arme. Hein. Là, tu. Est-ce que mettre des joyaux en transcendance sur l'arme, ça vaut le coup? Je pense que ça dépend Ça dépend du. de l'arme. C'est vrai, c'est question très compliquée, malheureusement. Ça dépend de l'arme et ton build. Ça dépend vraiment de l'arme, Aquarelle, en fait. Hein. Et de ce que tu cherches. Moi, par exemple, Morpho, c'est la régénération. Ah, on cherche un peu tous là, je crois. Fusil arbalète, je vais plutôt chercher à choper plus de munitions. Et voilà, ça dépend des armes. Tu peux mettre plus de munitions en transcendance si t'es pas assez bête. Parce que c'est pas comme le Saphir, hein. La transcendance, je sais pas si tu peux mettre des munitions, hein. Si. Non, tu peux pas. Voilà. Enfin, pas des munitions au total, mais des munitions avant d'avoir rechargé. Tu peux ça? Ben oui. Qu'est-ce que tu entends par des munitions avant de recharger? Ben, tu vois, Rechargeable? hier, ce qu'on cherchait, Oui, mais Hello. c'est pas ça la transcendance. Ça, c'est les améliorations. C'est les améliorations, sa fille. La Oui, transcendance, je j'allais dire, peux pas. faut pas Putain, mais. confondre le. Voilà. Oh, la fatigue, j'ai de la merde. Écoutez Hello Kitty éternel, m'écoutez pas, moi, ce soir. Hein. En fait, ce que je préfère faire, c'est que les armes Saphi permettent de mettre des améliorations avec des chargeurs, des munitions, des bénédictions de. Enfin, La limite!
des parties de monstres ou des choses comme ça. Et après, il y a la transcendance. Oui. Qui là, tu peux mettre affliction, élément, vie, attaque, affinité, enfin, régène, affinité, j'ai plus le dernier. Pourquoi? Pourquoi? Ah, parfait, il me faut les deux. Parfait, restez. Non, pas les deux à la fois. Il vient de me buter, ce connard de T-Rex, de mes couilles. Ah, il t'appouse un peu, ouais. Ça dépend de l'arme, aquarelle. Moi, par exemple, en transcendance, je vais plutôt chercher. Enfin, en amélioration, je vais plutôt chercher. En transcendance. Ouais. Je vais plutôt chercher. Il s'est barré le. Je vais plutôt chercher sur une morpho la régénération. D'autres armes, ça dépend. Ça dépend de quel but tu joues aussi, tu vois. Ça dépend de tellement de choses. C'est vrai ou le Ginob? Ah là-bas. La réponse courte serait en général non. Tu mets un emplacement de joyau sur ton arme quand t'as soit pas le choix, soit c'est le seul truc intéressant. Ouais. En général, je dis bien en général, pour beaucoup d'armes, t'as meilleur temps d'avoir des bonus d'attaque, la régénération de vie, de l'affinité. C'est souvent beaucoup plus rentable que juste un joyau. Faut pas jouer avec le caca, hein. J'ai vu que t'avais lancé le caca de monde. T'as sauvé la vie avec son caca en attendant. En général, non. Le joyau, c'est vraiment le dernier recours si c'est pas, si le reste n'est pas intéressant. Toi, par exemple, j'aurais tendance à dire pour un fusil, la régénération, c'est pas. L'arc, je suis vraiment de l'avoir. Le fusil, le problème, c'est que. Suivant les balles que tu tires, la régénération n'est pas super intéressante. Peut-être un grenaille, c'est intéressant. Bah justement, non. Ah ouais? Ah, il faut que ce soit des balles puissantes. Quand tu fais un tir de grenaille, sur toutes les balles qui vont toucher, il n'y en a que une qui va compter pour la régénération. Ah ouais, donc ouais. Ouais, donc en fait, c'est de l'anti-blindage. Alors que tu perfos, anti-blindage. Non, perforant, c'est pareil. C'est le premier impact qui va te faire de la vie. Anti-blindage, ça peut être intéressant. Ouais, parce que vu que c'est plus du monotir. Voilà. Ouais, ouais. Je vois l'idée. Par contre, pour le coup, arc, si c'est qu'une flèche, moi je sais pas comment. Ah, t'as oublié de verrouiller tes. C'est fait exprès. Si je l'ai invoqué ici, c'était fait exprès pour ta. En fait. Bonsoir, Pépé. Hello. Je crois que Joyeux 1, c'est pas très intéressant. Bonsoir, Pépé. Cherchez peut-être le gisement, je sais pas où il est pour vous, mais c'est l'occasion. Vu qu'il était pas en bas, il est en haut. Bonseir les chasseurs. Je vous souhaite d'éviter les tiraliers du tavernier. Bonsoir, chasseur, je vous souhaite d'éviter les tiraliers du tavernier. Attends, Bounty, tu sais pas à quel jeu on risque de se mettre. Hein. Bonsoir à toi, Bounty, bonsoir à toi, Pépé. Si tu Friendly Fire, non, je joue pas à ce jeu avec toi. Sur Headliver? Non, il n'y a pas de Friendly Fire. Ouais, ce n'est qu'une légende. ça n'existe pas. Tu vas rire, hier, j'étais là, mais en me réveillant, j'étais sur ton chat encore et j'ai vu bonsoir écrit sans la barre de texte. T'as la barre de texte. Ah bon? D'accord. J'arrive pas à choper le l'oiseau corail rare. Je sais pas à quoi il ressemble exactement. Ça me saoule. L'oiseau corail rare. T'as une version secondaire. Plus de le temps oiseau. Passe et moi je comprends. Ouais, il est plus rose que les autres. Ouais, bah j'arrive pas à le trouver, ça me saoule. Hein, peut-être lui. Ah d'accord, Pépé, j'avais pas compris. Bon, du coup, je l'avais trouvé. Dites-moi, pour ceux qui arrivent dans le chat, hein, si merde, si je faisais du Helldivers, est-ce que vous trouveriez ça cool ou est-ce que c'est de la merde selon vous? Vous pouvez être honnête, vous ne serez pas banni. C'est de la merde, ta Tu es banni.
J'ai eu envie de mourir, Borderlands va sortir en film. Ils vont faire un film Borderlands. Oh, des carcasses géantes sont apparues au corail, apparemment. À l'instant, moi. Je vais vite fait au corail. T-Rex, après, je crois qu'il doit être dans le Mias, normalement, c'est son biome d'origine. Il peut que être là-bas, donc oui. Bah non, oui, enfin, on l'a croisé. Toi, ça te plairait pas, Pépé? Putain, mais... De toute façon, Pépé, c'est pas du Frostpunk. Hein. Un petit Velkana Alpha qui vient de apparaître. Et toi, Bounty? Oh, parfait! Parfait! Tu me régales, là. Hello. C'est pas moi qui l'ai fait apparaître. Hein. Mais après, il va falloir qu'on se dépêche un peu plus que ça si on veut tous les enchaîner avant qu'ils se barrent. Ouais, j'arrive. Je mange, j'arrive, moi. Mais tu es dur, Pépé. Et toi, Bounty? Par ici, Tav. Monte. Ah oui, merde. Moi, je suis... Ça m'est égal, je viens pour ta bonne humeur et ton friendly fire. Eh bien, ça tombe bien que tu en parles. Donc, friendly fire, il est où, là, le friendly fire? Non, il n'y a pas de gisement. Tu vois rien, genre, là? Non, je vois rien, là. Ok, alors, dans ce cas, il est en bas. Ah, il est là. C'est juste que, du coup, avec la nuit, j'avais pas l'impression que j'arrive, c'est déjà, histoire que tu galères pas trop tout seul, quand même. Ouais, quand on se fait vieux, la vue c'est un des premiers. ça baisse la vue. Bon, on accueille plutôt mitigé votre part pour Eldivers quand même. Je vais y réfléchir. On fait aussi ce qui te plaît. Moi je dis on vient pour toi. Hein, pas pour... Oui, mais bon. Tu pourrais jouer à Barbie, ce serait pareil, je crois. Eh ben ça tombe bien. Étrange, mais... Je pense aussi que tu peux te permettre en tout cas une soirée dessus. Non, si c'est juste pour acheter le jeu 30 balles pour faire une soirée dessus. Ouais, parce qu'il n'y a pas forcément envie de jouer tout seul, ce que je comprends. Moi j'ai trouvé le Velkana, il est beau, il est grand, il est dans le Mias. Ah, c'est bien. Parfait. Ouais, moi je vais rejoindre Jade parce que ça fait un peu longtemps qu'il est tout seul sur le T-Rex. Non, Jade a l'air de bien s'en sortir. Étonnamment, il s'en sort très très bien, oui. Et paf, il meurt. J'arrive. Tu dis ça, c'est toi qui es encore mourir, tu vas comprendre. Moi, je suis sûr que c'est Eternel qui me tire mauvais karma, en fait. Il y a moyen. Oh, un gisement géant. À voir. Je vais y réfléchir. Oh, des objets par terre. Après, t'as comme eu peut aussi venir à aimer Eldivers 2 suite à un stream. Oui, aussi. La pleine lune au milieu des 12 statuettes de Gladul fera enrouler dans du jambon ou la porte de Zara Albach et permettra d'y accéder au nid de l'oiseau corail. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie, Bounty? Après, c'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, parfois ça parle de détruire le monde. Moi ça me va si ça détruit le monde, hein, ça va un problème. Éternel, moi je suis sûr qu'elle est tellement dark. Tu vois, c'est. Désabusé, je crois, je dirais. Est-ce que dans Naruto, ton personnage préféré c'est Sasuke, Éternel? Non. Retrouve bien Sasuke. Et une dark Sasuquette. Dark Sasuquette, alors ça je l'avais jamais entendu. La prophétie raconte que celui qui mange une noix de coco a l'anus bien ambitieux. Non mais Dark Sasuquette, meilleur pseudo en fait. Mais c'est vrai, c'est trop bon. C'est trop bon pseudo en vrai. Oh putain. Oh, c'est pas grave, Bounty. C'est quand même une bonne prophétie, je pense.
J'ai beaucoup aimé le moment où il a fait gras gras ou. Ah gros gros, je suis un méchant T-Rex. Fais ton gré. Fais ton gré. Moi j'ai pas trop aimé ce dernier Shrek. Hein. À part ce moment là. Mais c'est pour ça qu'ils en ont pas fait d'autres. Il a pas trop bien marché, je crois. Non, non. Bon après, voyage Shrek 1 et 2, puis les deux autres. Voilà. Qui c'est qui vient d'enlever sa cape comme blaireau? La rotation stimétrique 70% sur le driver, c'est ok, mais il doit avoir des défauts. Après, il a des mauvaises notes, PP, parce que du coup, à cause des serveurs, les gens ils ont plutôt mal noté. C'est un peu compréhensible parce que c'était vraiment des faits d'attente. Ah, mais tu vois, PP, ça dépend. Parce que moi, j'ai un de mes collègues de travail qui l'a. Et il me tanne pour que je l'achète et que j'y joue. Et lui, apparemment, il a aucun problème. Oh, il y a un copain, lui. Mais là, lui aussi. Cachez-vous. Je suis une fougère. Oh putain, j'ai pris. Oh, j'ai pris un souffle glacé du Velkana. Il reste vraiment plus beaucoup de vie. Hein. Je vais me concentrer sur M2, FF7 et Dragon's Dogma 2. Ben, moi, en fait, le truc, c'est que. Entre DS1 et Dragon's Dogma 2, je sais pas quoi faire. Donc. Ben, justement, Eldiver, ça répondait pas mal. T'as déjà fait les Batman Arkham. Je les ai tous faits. Sauf celui avec toute la famille Batman, mais. Sinon, alors je sais plus. Parce que Eldiver, je sais pas c'est combien de temps entre Dragon Dogma et. Il sort quand Il sort à la fin mars. Hein. Ouais, ça va faire long, un mois de Eldiver, non C'est pas la de la série. Ah bah tu vois, bah, je les ai tous fait là. De quoi, pardon, Éternel? Ça va pas faire long, un mois de Eldiver. Non, mais je sais pas, c'était une idée, tu vois, après. Peut-être qu'un mois. Merde, j'ai pas les. Si quelqu'un a des. J'ai pas les. Il est mort. Bonsoir, foule. Putain, faut aller dans le poison, faut récupérer celle-là. Quel jour. Je vais aller chercher des. Moi aussi. Des trucs endormissants et j'arrive. Des trucs endormissants. Tu veux dire pour le dragon ancien qu'on peut pas capturer? Non, mais pour que je les ai, comme ça, si on repart direct sur quelque chose derrière, c'est bon. Tu voulais pas faire le Velkana? Si, mais bah, je le ferai après, hein, j'irai chercher après. Comme ça, je me serais un buff manger peut-être. Ah, quoi que non, c'est bon, pas de manger. Velkana, où es-tu? J'étais chaud pour faire Eldivers, mais là, vous m'avez pas mal refroidi quand même. Attends, parce que si le Velkana, s'il est dans le. S'il va dans le truc chaud, j'ai pas de pression en moi. 25 heures avec les tout DLC? Ça va. C'est pas très. C'est convenable. Sinon, tu fais le prochain jeu sur Princess Peach. N'est-ce pas? Non, mais en vrai, ça serait marrant, en vrai. Moi, je l'ai regardé, hein. Franchement, les premières images que j'ai vues du petit trailer, il a l'air rigolo. Hein. En vrai, ça serait marrant. Hein. Oui.
Non, parce que là, on rigole, on en parle, on rigole, mais... Ça pourrait être marrant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu Nintendo sur la chaîne. Hein. J'avais cru que tu allais dire un jeu troll, mais... Non, mais moi j'aime bien les jeux Nintendo. Le dernier qu'on a fait, c'était le dernier Zelda, mais c'est vrai que j'ai la Switch et avec le boîtier d'acquisition, il n'y aurait aucun problème pour le faire, hein, puisqu'il n'y avait pas de souci pour TOTK. Après, il y a peut-être aussi des jeux que j'ai sur la PS5 et sur la PS4 que j'ai pas fait. Il y a aussi le premier FF. Bon, là, il y a le deuxième qui sort, donc c'est peut-être un peu contre-productif de faire ça, mais... Le premier FF ? Tu sais, le remake, j'entends pas. Ah, oui, okay. FF, non, ça fait longtemps qu'il est sorti quand même. Non, c'est vrai qu'il y a le prochain FF qui va sortir. Alors, d'après les tests sont très très bons sur le jeu. Je crois que déjà la partie 1 était bien. Hein. Déjà, faudrait que je fasse la partie 1. Je l'ai. Ah, tu vas enchaîner. Ouais, mais là, ça ferait. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que maintenant, il y a ça. Maintenant que vous me dites. Tous ces jeux que j'ai. Merde, je tapais dans le crabe. Ah, yes, trop bien. Moi, je tape dans le minerai. Ouais, je voulais faire pareil, mais. Et tandis qu'il est derrière, elle se fait taper dessus. Ouais, taf sur Crash Bandicoot. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être des idées. Par contre, j'ai vu le trailer d'Elden que j'allais me faire pouiller mon YouTube et tout. Dimanche. Bon, il dévoile trop de choses, c'est ouf. Après, peut-être qu'il dévoile trop de choses sans en dévoiler beaucoup non plus. Comment ça, one shot? Pardon? Il n'y a pas que moi qui me fais taper dessus, je crois. What Vance at Four? Ouais, il y a même le dernier Fire Emblem que j'ai pas fait. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il peut être intéressant. Le dernier Fire Emblem, il m'a pas. Alors, je sais pas si celui-là précisément est intéressant. Non plus, je sais pas. J'avais vu, il me faisait pas plus envie que ça, quoi. Moi non plus, mais. Chez, enfoiré de Bounty. Mais y'a Persona 5 aussi Reload qui est sorti. Persona 5 Reload. Persona 3 Reload. Oui, 3, excusez-moi. Oui, aussi. Aussi. C'est différent, hein, quand même. Ouais, c'est. Oui. Je suis pas sûr que ça. Un JRPG. Un stream, c'est pas toujours évident. Ah, c'est même un peu suicidaire. Hein? Est-ce que d'habitude des trucs suicidaires? Mais putain, je suis un fils de pute, votre canard de merde! Oui. Ah. Putain, il faut que je sois toujours full life en fait avec lui. Il m'a cassé le huc. Ah non, mais surtout que Persona, ouais, effectivement, c'est très long, donc... Oui. C'est vrai qu'il y a... Même si j'ai adoré Persona 5 Royal, c'est le seul que j'ai fait, mais je l'ai vraiment adoré en solo, en stream. Oh Il y avait pas... Ah bah, il y avait aussi, là, le... Ah non, bah non, c'est Yakuza. Pas que je suis amie, ça. Non, je pensais le truc de la... avec les nains dans les mines, là. Oh non. De la mariée. Ah, Deep Rock que... Survivor. Non, encore qui est sorti plus tôt, enfin il y a un moment déjà. Redon to the Moria. Ouais, Redon to the Moria. Non. Le jeu de survie, moi je m'attendais à autre chose. Je sais pas si c'est un jeu de survie ou. Si, oui, c'est un jeu de survie. J'ai très regardé, j'ai. Moi il me tente absolument pas. Tu fais moi le malin, connard. Mais juste s'il y a un truc qui pourrait te tenter, parce que j'ai mis dans ma vie. Parce que j'ai fait pas mal. Tiens, la bite. Rendez-moi ma lunastra. Hein. Ta gueule. Oh le proc franc-tireur qui a... Le franc-tireur qui a proc au moins 10 fois d'affilée, là. Un petit bon force. De partout. Pourquoi pas. Je crois qu'il a jeté un franc.
Mais après, Pépé, il a raison dans le sens où Persona, moi j'adore les Persona, mais ça c'est un remake. Pas du tout, c'est juste que j'ai que... Ou un jeu de stratégie, sinon, je sais pas, genre un... Ouais. Un Vampire... Ah, Civilization, un Age of Empire ou... Oh, Age of Empire... A voir. Bon, je verrai de toute façon. Mais oui, c'est bien, vous me donnez pas mal d'idées là, en vrai. Parce que Helldivers... Bon, je croyais que vous alliez dire « Ouais, Taverny trop de la balle C'est pas... À jouer peut-être, mais à regarder, c'est pas non plus officiel. Mais... Enfin, c'est... Après ça, je pense aussi que ça dépend de... Fais ta phrase, s'il te plaît. Je sais plus ce que j'ai dit. Tu sais, j'ai une mémoire de poisson rouge, Pépé. Il me faut des mots exacts. Je suis vieux, mais non. Ah, bientôt je prends un an de plus là. Personne à 3. Non, je disais que t'avais raison, que ça faisait quand même 300 heures donc. Moi j'adore les personnages, mais. C'est vrai que c'est quand même assez long. C'est un peu comme Yakuza. Et encore Yakuza, c'est moins long. Jeter des poulets explosifs avec MacGyver ou utiliser le cricket avec Will Smith, c'est marrant. Ça pourrait être rigolo. Après, hein. Je sais pas, il y a peut-être les. Borderlands et Tiny. Non. Borderlands me tente plus. Et il y a Tiny. Tina. Comment il s'appelle ? Tiny Tina, oui. Oui, c'est ça. Ou Red Dead Redemption 2. Ah, c'est vrai que je pourrais continuer Red Dead, hein. C'est vrai que ça, je pourrais continuer Red Dead. Hein. Ça fait partie des jeux que je dois me faire. Il paraît qu'il est excellent, c'est pas mon style de jeu, mais j'ai que des bons. Ah, je sais, j'ai. Ça dépend du style de joueur. Il y a des joueurs qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont abhorré. J'ai mon petit frère qui l'a fait, qui lui est pas du tout jeu vidéo et qui m'a dit que c'était la meilleure expérience qu'il avait déjà eue. Oui, il paraît qu'il est excellent. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais je sais qu'il est excellent. Et oui, je, ce que j'en ai vu, c'est un jeu qui est super et qui est super immersif en fait. C'est ça. Ça aurait peut-être le coup, non? C'est un bus, s'il y a un peu de temps avant Agonzomba, c'est plus calme que MH. Non, c'est plutôt une bonne idée, tu marques un bon point. J'ai fait ma première couf, je l'ai fait deux fois, bravo. Tourne-toi. Dis bonjour à la caméra. Non, je parle au bel canard. Et merde. Bah, dis bonjour. C'est surtout que j'étais allongé, que j'ai pris des gros pics dans le cul, des gros pics à glaçons. Ah, c'est comment? C'est la première fois que j'essaye et je dois dire que c'est plutôt agréable. Non, je vais finir par cette phrase en fait. Je sais comment elle allait finir. Elles sont à quoi exactement, Hello, les capsules draconiques? Parce que je recharge ma fronde avec ce genre de truc. Je sais pas vraiment quelle réponse tu t'attends là-dessus. Alors, les effets, elle veut dire. Je crois que les effets, les capsules effets. Draconiques, c'est quand alors, le monstre. Les plantes, ça va taper plus fort. Les explosifs, je suppose que ça sert à faire boum. C'est pour les dragons. Et bah draconique, en suivant la logique que tu viens d'avoir pour les deux premières. C'est par exemple, tu vois, t'as le. Plus de dégâts en dragon, ou mais sur les autres monstres, ça fait quelque chose. Bah, par exemple, tu vois, quand t'as le. Comment il s'appelle? Pas le Valazag, mais le. Le Kushala d'Aora, tu sais, qui fait une tempête autour de lui. Oui, bah, oui. Je crois que ça permet d'annuler ces effets-là, par exemple. Parce qu'il y a le babyphone. Ah ouais, ça permet d'annuler. Ça, du coup. Ouais, ça affaiblit les. Ça fait des dégâts dragons. Ouais, c'est ça. Ça fait des dégâts dragons et si t'en places un certain nombre, tu peux appliquer le saut des dragons avec. Qui affaiblit les dragons. Voilà. C'est pas ce que
sais, tout le monde est choqué par la révélation que les capsules dragons font des dégâts dragons. Oh, je suis choqué. Choqué mais pas déçu. T'as dû faire le 2, Taf de Borderlands. J'ai beaucoup aimé le 2. C'est le 3 que j'ai moins aimé. Après, qu'est-ce qu'il y a comme jeu connu? Bah, Fallout 76, je sais pas si tu l'as fait, si tu aimes, t'aimes pas. Je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Et c'est du Xbox Collection aussi. Bon, parce qu'à l'époque, quand il était sorti, il était à chier, donc. Non, mais ça, y a eu, ça a beaucoup changé, beaucoup de bons. Ouais, Pépé m'en parle souvent. Mais comme j'ai envie d'embêter Pépé, je sais pas. Il y a un petit coup de Palworld, hein. Il y a Palworld aussi. Bah après, il y a... Et tu sais qu'il y a les Twitch Rivals sur Palworld en ce moment, ça se déglingue. Ah, il y a des Twitch Rivals sur Palworld. En ce moment même, je crois. Ou c'est peut-être. Après, ah, c'est marrant, ça. Les deux Nightingale, il y a du Last Epoch, sinon. D'ailleurs, j'ai découvert les Twitch Rivals assez tardivement. Je ne savais pas ce que c'était. Je vois ce que c'est. Ça a l'air marrant. On va changer un petit peu. C'est quoi les Twitch Rivals? Est-ce que tu vois ce que c'est quand Zerator fait un event qui s'appelle Fight for Sub? Non. Le FFS? Bon, c'est une compétition organisée par Twitch sur un jeu en particulier. D'accord, ok. Je vois Pépé. Ouais, je m'en doutais. Alors, je vais faire mon rapport, moi. Ah, le rapport, oui. Mais du coup, oui, il y a Night of... Nightingale. Nightingale, il y a Arch for Dead, et il y a aussi Last Epoch qui est sorti à la Diablo, si t'as fait du Diablo. Et il paraît qu'il est pas mauvais. C'est Traf qui m'a dit ça. Il est sorti hier officiellement, je crois. Mmh. Il est sorti la bêta. Ouais, il y a pas mal de choses à faire, quand même. Bien sûr. C'est justement qui fait mon difficile. Hein. Bah, sinon, on part sur du Ghost Simulator. Hein. Le 3 est sorti. Alors, non. Non. Là, en disant non, je pense pas faire mon difficile. Je sais pas, du coup, il faut repartir sur invocation d'un petit monsieur, un Zinogre, puisqu'il fallait du Zinogre. Ouais, ça m'arrangerait bien. Oh bah, c'est juste que là, il y avait des trucs qui s'enchaînaient bien, quoi, mais je te sens un Zinogre. Après, j'avoue, je crie au scandale quand j'entends Goat Simulator, mais je suis pas le public cible, c'est vraiment pas mon genre. Ah, moi non plus, hein. Le Zinogre, tu le remets au corail ou tu le mets en forêt cette fois? Je remets au corail. Ok. C'est bien le corail. Sûr. Qui c'est qui a oublié de prendre ses potions? Regardez-moi ce boule! Depuis Tor 4, toutes les chefs sont prohibées. J'ai malheureusement la ref. Après, il y a l'extension. Ah non, t'es pas MMO, toi, non? En fait, si. Mais le problème, c'est que quand tu te lances dans un MMO. Non, parce que j'ai entendu. Je sais qu'il y en a qui vont faire des. Genre dopé. Il y a l'extension pour Tezo. J'étais sûr quand même bien ça. Non, laissez-moi tranquille avec Tezo. T'aimes pas? J'adore Tezo. Mais le problème, c'est que. Si je me mets à Tezo, je ne fais plus jamais rien d'autre pendant un an, en fait. Bon, bah, pas bonne idée. C'est trop bien, Tezo. Moi, j'ai envie de jouer à Tezo, mais c'est pas raisonnable. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Et voilà, c'est pas raisonnable, il n'y a rien d'autre. Et moi, j'adore, hein, mais vraiment... Pendant ma période non stream, je jouais à Tezo sur PS4 pour vous dire. Hein. À PS4 quand même. Ouais. Je sais pas exactement l'extension de quoi il parle.
Je l'ai, j'ai très peu joué, mais... C'est sur... comment il s'appelle la Deadra de la lumière. Après, il y a peut-être... Il y a le Black Day 3, mais je sais pas ce qu'il vaut. Tes os, quoi. Mais si jamais je devais me mettre un MMORPG, là, ça serait 100% tes os. Qu'est-ce qu'on lui a mis sur la bouche là ? Effectivement, tu... Alors, pas forcément formulé comme ça, mais oui. Moi, j'ai oublié de ramasser les objets d'usinose, moi. C'est pour ça que je suis là à la base. C'est vrai que ce serait dommage. Tezo, c'est l'abréviation pour ceux qui savent pas de The Elder Scrolls Online. Et moi, j'adore l'univers d'Elder Scrolls, donc. Très très grand fan, j'adore le lore, j'aime tout. Il est sympa le coin du corail pour combattre les monstres, hein. Ouais, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai renvoyé au corail et puis j'ai envie de le corail, c'est trop magnifique. Et par rapport au mien, c'est qui le monde. C'est vous qui êtes magnifique. Non, c'est toi. Non. C'est toi, maman. C'est toi, maman. Dave, No Man's Sky, il t'attire ou peur du trou ou pas du tout? Non, franchement, No Man's Sky, c'est, on va dire que le jeu, j'ai raté le coche. Voilà. Je pense qu'à une époque, il m'aurait attiré, mais regardez, quand on a essayé de s'y remettre la dernière fois, bah, c'était pas fou, quoi. Et un petit Death Stranding. Death Stranding, moi j'avais bien aimé l'expérience Death Stranding, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai pas fait du tout, mais je sais que c'était pas au goût de tout le monde, quoi. Ben moi justement, vu que ça sortait vachement du lot, ben j'ai trouvé ça sympa. Mais on va dire que, en fait j'aimais bien la partie, ben j'aimais bien le gameplay en soi de. Tu vas de point A en point B. Je trouvais ça très reposant. Mais j'ai trouvé l'histoire pas ouf. C'est dommage parce qu'il me semble que c'est un peu le point fort du jeu. Eh ben moi j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Quoi. Alors sinon avec Traf on a trouvé un jeu qu'on n'a pas compris qui était dans ma liste de découvertes. C'est un jeu où tu es un caillou et je ne sais pas ce qu'il faut faire et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Juste un caillou. Un caillou, à mon avis, ça fait pas grand chose après. Je sais pas, apparemment, tu dois monter de niveau, les collectionner. Racaillou. J'ai pas compris. J'ai pas trop de gameplay dessus. Si tu veux tenter une expérience caillou, dis-moi, je te dirai. Non, mais en vrai, Death Stranding, moi j'attends relativement assez la suite. Hein. Je me demande ce qu'ils vont faire. Mais je comprends déjà que ce soit pas au bout de tout le monde. Et beaucoup ont adoré l'histoire. D'ailleurs, je m'étais pris la tête avec une streameuse qui adorait Death Stranding et on s'est plus parlé à cause de ce jeu. À ce point-là ? Ouais, non, mais parce qu'elle était vraiment gros quillou. C'est sa foule. Et ouais, j'ai vu Pépé, mais je m'en doutais, hein. Je m'en doutais ce que tu me disais. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a Cult of the Lamb à faire aussi. J'ai moins envie maintenant que Cult of the Lamb, je sais pas, je verrai. Mais ouais, du coup, à ce point-là, Hello, elle était vraiment, c'est vraiment une fan hardcore d'un personnage en particulier dedans.
Et moi, j'ai trouvé ce personnage mais vraiment bidon. Au début, c'était un personnage que je disais, oh, son histoire doit être sympa, et puis j'ai trouvé ça nul. Pour ceux qui se demandent quel personnage on parle, c'est le personnage de Mama. C'est Jade qui tape le diable depuis tout à l'heure. Ah mais il est plus avec nous. Il veut plus avec nous. Possible. Quel jeu, Death Stranding. Et en fait, j'ai pas aimé ce personnage parce que du coup. La base du personnage, ce qui lui arrivait, je n'en dis pas plus pour pas spoiler les gens, c'était sympa. Comment on nous a présenté le personnage au début, c'est sympa, mais j'aime tellement pas sa personnalité et j'aime vraiment pas la finalité du personnage. Ce que devient ce personnage, après, je me suis dit, mais c'est nul. Hein. Après, enfin, quand je dis l'histoire est nulle, non, l'histoire est pas nulle, mais c'est juste que des fois, c'est des trucs... C'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Est-ce qu'on est que deux, là, sur le synode? Parce qu'Eternel est morte et que Jade est partie sur un Diablos. Mais pourquoi Jade est partie sur un Diablos? Je ne sais pas. Jade, elle est où, Jade? Ah bon, on s'en sort bien, hein. Mais c'est vrai qu'il est assez plus long. Non mais je suis de retour, deux secondes. Il boite. Non mais c'est... Enfin, elle prend pas mal Jade, hein, mais... Quitte à faire un Diablos en solo... Va le faire dans ton fief, ça sera moins compliqué. Mais oui, c'est vrai. Parce que là, tu nous augmentes juste les PV du monstre et t'es pas là, quoi. Mais d'ailleurs, vous êtes plusieurs à le faire à chaque fois. Sachez que je vous aime bien, mais vous êtes un peu casse-bonbon quand même. Moi je referai, mais c'est vu que j'ai quelques parties de couvrir. Moi j'ai aimé Cyberpunk quand même une fois les bugs résolus. Moi j'ai trouvé Cyberpunk sympa. J'ai pas trouvé non plus que c'était le jeu. Mais en fait, une fois que les bugs sont passés, oui. Mais le problème c'est qu'il faut, enfin, il faut passer les bugs quoi. Tu peux lui mettre les bombes tranquillisantes avant qu'il tombe dans le piège. Ok, je sais pas. Ah putain, ça peut pas partir. Voilà, c'est bon. La forêt est montée de niveau. Ah, il y a des cristaux là-haut. Je vais chercher. Du coup, t'as eu du matos d'inox, je suppose. Ouais. Il t'en faut encore beaucoup. Je ne pense pas. Je vais regarder. Déjà, j'ai de quoi améliorer l'arme. J'ai de quoi la transcender. Ouais, mais t'en feras peut-être une deuxième, tant qu'on est dans le siècle. Vous avez le goût de risque, hein? Oula. Bounty a craqué son PVL. Merci beaucoup, Bounty, pour les 5 subs offerts. Ça fait 26 subs sur la chaîne d'offert au total. Merci beaucoup. Merci infiniment, Bounty. À qui tu nous as offert? À Dragon, Tanguy, Xora, Aquarelle et Shaitor. Merci infiniment de ta part, Bounty, pour ton soutien inestimable de la chaîne. Mais sache que avant les subs, le plus important, c'est ta bonne humeur. Et merci infiniment tout de même pour l'argent. Je prends avec plaisir. Bravo pour ce message de Caillou, gros Caillou. j'ai le chat qui... à côté qui fait un cauchemar.
Merci beaucoup, Mounty. Merci infiniment. Bah, s'il dort et qu'il a l'air agité, il est certainement pas en train de rêver de belles choses. Attendez. Hein. Merci, Mounty. En fait, c'est quel autre qui voulait notre rechargeable? Il les a eu? Oui, en tout cas un. On peut pas capturer. En tout cas, assez pour faire une transcendance. Ouais. On peut pas capturer les petites crosses qui brillent là. Moi, j'ai même assez pour faire deux transcendances. En fait, tu l'as des matériaux, tu l'as aussi ou il en faut... En fait, j'ai tout. Le truc, c'est que je pourrais même faire 3 transcendances si j'avais encore un os de dragon de corail. C'est c'est les fossiles. On relance, si tu veux, on relance. Mais en soi, les inogres, là, j'en avais plus besoin. Donc, ouais, donc on peut relancer sur un autre meuble corail, ça te dérange pas? Si tu fais ce que tu veux. Je me laisse porter par vous deux ce soir. Mais pourquoi tu fais ça, lui? Ok. Donc ta deuxième femme et ta fille te portent. Ok. Non, mais... Enfin... C'est gênant, là. Oui, c'est quand ça... Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bébou, tu me portes. Ah oui, mais je veux pas faire un rapport, là, moi. De rien, c'est mon taf où je passe mon temps sur Twitch qui paye. Non, mais merci, Bounty. Hein. Merci beaucoup. Tu vas avoir un souci pour faire le rapport, les copains. Sachez, je le dis souvent sur la chaîne, mais je préfère le répéter encore. J'apprécie énormément quand vous faites des subs et des dons sur la chaîne. Mais avant tout, le plus important, c'est que vous soyez là. Ni plus ni moins. Après, si vous voulez me soutenir comme l'a fait Mounty, c'est avec plaisir. Mais il n'y a aucun cas une obligation ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce que vous subez, même si je blague souvent là-dessus, que je vous considérerai plus que les autres. Sûr, d'ailleurs, en parlant de sub, j'ai une question. Oui. Maintenant qu'ils ont rajouté le système, tu sais que je t'avais envoyé la dernière fois là, de l'écrit, est-ce qu'il vaut mieux sub ou faire un don Alors, ça fait des points en plus là. Moi, je pense que le mieux pour moi actuellement, c'est le sub. C'est le sub parce que je pense que secrètement Twitch fait gagner de la visibilité aux gens qui sub, mais enfin aux chaînes qui ont des subs, mais aussi du coup parce que ça me permet, comme là ça a été le cas ces derniers temps, d'avoir plus d'emplacements d'emotes aussi. Ouais, mais c'est tout, je vois, tu sais, ils ont fait le nouveau programme plus, ça se passe de mois en mois, c'est dirigé machin. Moi, sachez que à l'heure actuelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup, je préfère les subs quand même. C'est moins rentable, quoi. En fait, si vous voulez que voilà, c'est ça. Si vous voulez que je gagne plus de visibilité, je pense que les subs sont mieux pour moi. Si vous voulez que je gagne plus d'argent et que Twitch en gagne moins, les dons sont meilleurs. Ouais, c'est ça, le souci, je suis pas trop... Parce que les dons, j'en touche la totalité, et les subs, j'en touche une petite partie. Ah, je vais déjà quand même pour le Diablo, ça. Ouais, j'arrive. J'ai dépensé sans compter. Bah, il faut aller tuer le Diablo, je peux pas faire mon rapport, sinon. Si. Non. Enfin, non, parce oui, qu'elle est comment. Oui, mais je peux faire mon rapport, mais je pourrais pas invoquer. Si. Non, pas tant qu'il y ait quelqu'un en combat ou qu'il ramasse quelque chose dans mon fief. J'avoue, Bounty, là, effectivement, c'est toi ce soir qui a dépensé sans compter. Tu peux me tromper, mais t'es sûr que ton info est terminée? Ah oui. Là, sûr. Sinon, je me ferais pas chier à emmerder les gens à dire ne tapez plus, ne ramassez plus, ne machin. Merci beaucoup, Bounty, en tout cas. J'aime l'Arion. Et sachez aussi, ça c'est une question. Plus vous subez, et plus la tavernière est contente. Subez pour l'impératrice tavernière. Ouais,
quoi, tu veux lui acheter une nouvelle voiture? Non, elle a encore, elle a besoin d'un nouveau téléphone. Non, ça c'est bon, ça, téléphone. Non, je parle de voiture parce que mon VSL, on discutait, il voulait acheter une voiture électrique pour sa femme. Puis il a vu le prix, il a dit ouais, non, madame, c'est pas ça la voiture électrique, hein. On va garder la vieille voiture. Hein. Il va me falloir beaucoup de sub pour acheter une voiture, quand même. Là, il m'en faudrait beaucoup, beaucoup. Ah ouais, peut-être que je vais tomber sur un mécène très riche. D'ailleurs, j'ai rien amassé de ce côté-ci, je vais en profiter. Où sont les minéraux? Oula, je vois Eternel se téléporter, ouais, tel Son Goku. Elle change de dimension à chaque fois qu'elle donne un coup de pioche. Putain, et moi je vois pas. Pourquoi j'ai pas les mêmes rochers que vous? Je sais pas. Tu sais que par contre, pour le coup, moi j'ai mis un mode qui les colore en fait. Parce que je suis genre de la teubée, tu vois, qui voit rien. Donc en fait, c'est rose plus haut, jaune plus haut et orange plus haut. Je joue pas comme ça. Si vous êtes bien sur le mode arc-en-ciel, vous voyez bien, c'est lumineux, ça flash un peu. Votre mécontentement en ce bandage, ça, je ne les loupe pas. Est-ce que tu as pareil pour les monstres éternels? Bah non, parce que je vois pas à travers les murs. Il y a pas de truc qui permet de. Tu sais, de voir à travers. Enfin. Voilà quoi. J'ai pas encore trouvé. Si vous êtes d'accord avec toi, c'est super, mais si vous désapprouvez, n'hésitez pas à montrer votre mécontentement. On se bat massivement cette chaîne. Ah, ça, c'est. Comment il s'appelle? C'est MV qui le dit souvent, ça. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Ça, j'en profite. Oui, tu fais pas de Diablo, toi, Tav? De Diablo, ça? Non. Ouais, non, de Diablo. Le Diablo, non, c'est pas trop mon style. En fait, le Diablo, genre slash, quoi. Ça dépend, mais ça me dérange pas. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, moi, les Diablo, une fois que j'ai fini l'histoire, j'ai plus envie de continuer le jeu. Et Diablo, ouais, non, alors, c'était pour savoir si tu faisais dans ce style, parce qu'il y a Last Epoch. Non, il paraît qu'il est pas mal. Il y a pas mal de classes et tout, et... Pour le coup, bah, pour le moment, toujours en budget, mais il paraît qu'il est pas mal. Et Traf m'a dit qu'il avait déjà testé en bêta, puisque là, le jeu est sorti en définitif et qu'il l'avait bien aimé. Mais vous. D'ailleurs, il vous dit bonjour aussi, mais il dort. Il dit bonjour en dormant. Et Horizon aussi, d'ailleurs, ils sont partis. Ah, mais ils ont bien raison. Il faut bien se reposer. Mais moi, je me demandais, Diablo, par exemple, vous aimez bien regarder du Diablo? Sur moi, je. Alors, moi, personnellement, non. Moi non plus, c'est pour ça que je me posais la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder du Diablo, mais vous, là, qui êtes avec moi... Alors, pour le coup, moi, quand j'en regarde, c'est avec un streamer que je connais, que j'aime bien, et je sais qu'il discute pas mal quand il fait du Diablo, quoi. Mm-hmm. On discute de tout, de rien, il discute... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Vois. Si à la limite, le... Il anime bien interactif, et tout, hein. C'est ça, si t'as un peu Diablo en mode support visuel pour discuter avec la commu, pourquoi pas. Et puis en plus, pour le coup, d'habitude, il fait des jeux de survie ou en PVP en général, donc il a moins le temps de discuter en survie PVP, donc c'est l'occasion où il peut faire les deux en même temps. Je vois. Alors. Moi, j'en fais pas parce que je trouve ça assez inintéressant à regarder. Mais bon, vous me direz, Tavernier, tu ne regardes jamais rien sur Twitch, donc bon... Mon avis est un peu biaisé, mais c'est pour ça que je préfère vous demander. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression que sur Twitch, en fait, il y a une communauté pour tout. Et de toute façon. Et voilà. Jeu, si on a envie de le lancer, il faut le lancer, c'est tout. Quand j'ai des progressions d'analyse, c'est presque à la fin. Genre le dragon ancien, il y a eu toutes les petites flèches et une dernière patte, mais il n'y a plus de rond. C'est que c'est fini? Ou pas déjà? Non, la ligne disparaît dès qu'elle est finie. Et donc, si je fais une recherche sur un nouveau dragon ancien, ça fait quoi? Enfin, si on trouve un nouveau dragon... Comment finir la recherche? Et elle pourrait essayer de la finir? En faisant le dernier point de la recherche. La patte est le dernier point de la recherche de la ligne. Ok, et ça sert à quoi? Et ben, ça te débloque un leurre du monstre, enfin du type du monstre de la ligne. Ah, c'est... oui, c'est un nouveau monstre, ok.
Qu'est-ce que... Ah, on pourrait faire ça. Ou ça. Il sera bas level, mais... il sera... Attends, je vais regarder le compendium. Compendium. Le fief. Ah... En général, je fais la campagne une ou deux fois et j'arrête. Ouais, tu vois, je suis un peu comme toi, Bounty. Sauf que moi, je le fais une fois. Si j'avoue qu'un Amiel dans le truc OS, il sera quoi? Il sera juste un Amiel classique. Oui. D'accord. Mais ça comptera comme un dragon ancien. C'est ça? Bon, bah, visiblement. Le Amiel est un dragon ancien. La recherche, l'analyse de dragon ancien n'est pas liée au fait que tu tues un dragon ancien. Merde. Diablo, c'est tellement l'exécution par paquet de 400, le dernier, tu roules la tête sur le clavier, tu nuques tous les monstres. Le 4 est pas compliqué. Isaac lui propose du challenge. Bah, dis-go, Isaac. Tav, est-ce que tu vois Jade avec les mots de Julius dans MHR? Effectivement. Ouais, tu commences la League of Isaac et puis t'es bon. Non. Yeah. Alors moi, j'adore les roguelikes. J'adore en faire, du coup. Mais Bandic of Isaac, le design, j'aime bien regarder, mais le design me dérange beaucoup. Moi, j'aime pas quand il y a des bébés. Et donc, du coup, donc forcément, voilà quoi. Éternel invoque le fatalis ici. Et tout à fait. Hein. D'ailleurs, il va falloir qu'on s'y dirige vers le fatalis. J'entends pas, ça capte pas. Il va falloir qu'on le fasse, hein, ne serait-ce qu'au moins une fois, pour dire voilà, on a fait le fatalis. Fatalis. Hey, je comprends pas, tu veux parler de... Je sais pas, tu... Là, non, je sais pas, ça s'arrête là. C'est mon casque qui coupe. Invoque les boss wings géants. Ah ben, dit qu'au visage, tu galères un peu, mais Diablo, c'est tellement une direction sur l'attaque et voilà, ça passe. Non, mais moi, après, j'adore les roguelikes et tout. D'ailleurs, on pourrait en refaire. Quand t'as fait Cuphead, comme quand t'as... C'est pas un roguelike, Cuphead. C'est pas un... Moi, je considère un... Ouais. C'est un Die and Retry, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire, un peu la différence. Moi, je mets tout ça dans un grand, une grande famille, bah, si mais t'as raison. Si tu fais c'est très cool. Domaine, t'as un roguelite. C'est vrai. En fait, mon Cult of the Lamb, c'est juste qu'on l'avait déjà fait une fois sur la chaîne, donc... Mais pourquoi pas? L'idée de vous sacrifier me plaît bien, mais je peux le faire aussi dans XCOM, ça, donc... Bah alors XCOM, hein. Mais XCOM, je l'ai déjà fait une fois, donc si je devais le refaire XCOM... Oh, tiens, j'ai une bonne idée. Refaire XCOM, mais en mode Iron Man. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu meurs. Ok. Pas de, qu'une seule sauvegarde, hein. Comme quand je joue à Total War. Ouais, XCOM 2, Bounty, c'était marrant. On l'avait déjà fait sur la chaîne, mais pas en... Mais du coup, alors moi j'avoue, XCOM, j'ai juste fait Enemy Unknown. Mm-hmm. Quand tu dis tu meurs, c'est-à-dire si t'as un échec de mission, la save est terminée, ou si ton escouade meurt, elle est morte définitivement? Elle est morte définitivement, mais du coup tu échoues les missions, mais tu peux continuer. Mais bon, dans XCOM en général, faut pas se cacher, quand tu rates une mission, t'es un peu dans la merde après. Bon, encore une fois, moi j'ai fait que Enemy Unknown, donc je sais pas comment les autres tournent, mais en tout cas, dans celui que j'ai fait, oui, si tu te rates, tu le sens passer. Quoi. Non, mais surtout que le XCOM 2, c'est avec le DLC qu'on le fait, et bonne soirée, fou, là. Merci d'avoir été là. C'est avec le DLC, et donc... dedans, il y a de la difficulté en plus qui est rajoutée. Et pas une petite difficulté. Hein. Parce que ça rajoute 3 mecs qui te poursuivent dans l'émission, qui peuvent apparaître aléatoirement et qui peuvent te déglinguer ton escouade en 2 secondes. Donc voilà. Et en fait, pour moi, XCOM, c'est difficile. Surtout en début de partie. Et après, c'est plus facile. Hein.
C'est difficile en début de partie parce que du coup, il faut, t'as vraiment une équipe de gros nazes et il faut arriver à survivre le temps que ton équipe ait quelques armes, quelques munitions et quelques compétences spéciales et surtout à une mission spécifique qui est très dure. Et si tu passes cette mission spécifique, je pense que ça va mieux après. D'accord. Mais c'est genre 2-3 heures de jeu, tu vois. Mais au bout de 2-3 heures, si t'arrives à passer cette mission, là, on va dire que la partie commence, hein, véritablement. Tu vois ce que je veux dire ? Le Dark Souls starts here. Et moi, ce que j'aime bien... Salut, Arzax. Et moi, ce que j'aime bien dans XCOM, c'est du coup donner au nom des soldats vos pseudos et vous envoyer à la mort. Et ça me fait beaucoup rire. Moi, ça, c'est vraiment ce genre de jeu, c'est vraiment ma passion. Ça. Il y a vraiment un délire, un concept. C'est comme Cult of the Lamb, finalement. Moi, je ramasse le loot. On va tuer Arzax. Merci beaucoup encore pour la dernière fois. Bah, pour hier, du coup. Vous avez pris vos petits bonnets, c'est bon ? Ça va, écoute, un plaisir, je t'en prie. Oh, bah, tout le plaisir est pour moi. Le gars de XCOM, c'est la mission des abominations avec les civils et sauvés. Non, pour moi, c'est pas ça. Moi, le cap à passer, c'est la mission où tu dois aller récupérer l'échantillon dans la base ennemie. Et à la fin, où tu dois t'enfuir. Pour moi, il est là, le cap à passer. T'as Westland 3 qui ressemble à XCOM. Et Guerre Tactique aussi. Par contre, je suis en train de me dire, Tab... d'accord, que tu vas avoir la mémoire d'avoir tout retenu de ce qu'on t'a dit. Bien évidemment. Ouais, après, n'hésitez pas à le rajouter dans l'onglet correspondant sur le Discord au cas où si Papitav oublie. N'hésitez pas. Bah, du coup, je te fais part oralement des deux suggestions que j'avais marquées. Je sais pas si tu connais les jeux Remnant from the Ashes. Et Remnant 2. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai que du coup, il y a Remnant aussi. En fait, du coup, le 2 là pour la peine, hein, si je devais en faire un. Mm-hmm. Je fais le 2 là, les c'est pas très mal. Très bien, hein, cela dit. Hein, vraiment. Ouais, mais plutôt le 2 du coup, moi, là pour la peine. Ouais. J'avais commencé la saga, en tout cas dans le 1, il y avait ce côté où les maps sont générées semi-aléatoirement et du coup tu sais jamais sur quel boss tu vas tomber. Et du coup aussi quelle arme, pouvoir tu vas débloquer derrière. Ça me rend toutes les runs assez intéressantes. Il faut pas hésiter à me le redire. Non, vas-y, on part sur du Adibou. Après, là, vous me proposez tous beaucoup genre, de... C'est un TPS avec des beaucoup de mécaniques et de fonctionnement d'un Souls. Sinon, on se fait un Kingdom Come Deliverance. Je pense que je suis pas assez maso pour ça. Ça n'a... un truc qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi, j'avais commencé à y jouer et j'ai trouvé ça sympa. Hein. Est-ce qu'il y a de la carapuce là, hein? T'avais vu le donjon d'Albuck? Oui, Pépé. Tu étais même là, Pépé. Mais je vois que moi aussi, que toi aussi, tu es comme moi et que tu as été mort de poisson rouge. Bah, Pépé, il a une mémoire de Pépé, quoi. Ah oui, Boudi, je l'ai là. Je me souviens de ça. Apparemment, il y a XCOM Chimera. Ouais, mais il paraît qu'il est pas terrible, ce qu'on m'a dit, Pépé. Faut que je prenne une B-Soin, vous rendez-vous compte. Et non. Tiens, et. Je sais pas si tu l'as fait. Il
y a le jeu, Donjon Nahelk. Déjà fait. Déjà fait, ok. C'était sympa. J'étais agréablement surpris. Moi qui ai l'habitude des tactical RPG, j'ai trouvé l'histoire marrante, hein, mais le gameplay moyen. Ok, ok. Bah, c'est vraiment parce que du coup j'ai vraiment l'habitude de faire beaucoup de tactical RPG, hein, pour la peine. Hein. Et puis l'autre jeu qu'ils ont sorti là, qui, je sais plus comment il s'appelle, Maître de Donjon ou quelque chose comme ça. Il paraît qu'il est vraiment pas terrible celui-là. Ah ouais, ouais. Ok. Aussi bien Donjon Nahelk se rattrape pour son histoire, pour tous les fans, aussi bien le maître du donjon, apparemment il n'y a pas grand chose à garder dessus. Hein. D'accord. De ce qu'on m'a dit. Hein. Tu fais un mode Fortnite, hein, comme ça. Oh pitié, elle a dit le F-word. Ah, tu préfères Minecraft peut-être, ou quelque chose de genre. De quoi? Minecraft, ouais, je préfère la 100 fois Minecraft. J'ai aucun doute. Ouais, moi je tiens à vous dire, je joue à Minecraft avec ma fille d'ailleurs. Bon, non, mais... C'est très bien. Disney Dream Valley est en solde. Oh non, il a dit le D-Word aussi. Putain, mais c'est pas possible. Oh. Il y a tous les mots interdits qui sont sortis là. Non, mais vous exagérez là. Quoi, je préfère faire du League of Legends pendant un mois. Elle a dit le L-Word. Et il y a tous les. Il y a à chaque fois, il y a un mot par lettre. Hein, et vous les sortez tous. Hein. C'est pas possible. Hein. J'étais à RP sinon. Oh, je suis nul à RP moi. Moi j'avais joué. Non, mais le RP ça prend beaucoup de temps, faut vraiment s'investir. Le RP ça me fait. Moi, RP, j'avais joué à Arma 3. Et sachez que j'ai été dans une des vidéos de MXM. Ah. Mais c'était vraiment vieille vidéo. Alors j'étais pas intervenant, on me voyait pas parler, mais j'étais dans le tas des joueurs qui passaient à côté de lui à l'époque. Mais merde. Mais alors il y a super longtemps où j'avais participé à une des parties que Zerator organisait quand il était chez O Gaming. Oh putain. Il faisait du King of the Hill sur StarCraft 2. Ouf. Alors ça c'est vieux ça. Ah oui, ça c'est pas récent. Hein. Ça c'est vieux. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai parlé à Dooms, du coup, pour lui prendre des nouvelles. Et elle va très bien. Elle fait toujours ses petites vidéos. Dooms, c'est une youtubeuse très connue. Je ne connais pas. Elle n'est pas non plus. C'est normal, c'est pas du tout votre genre. Hein. C'est pas non plus mon genre de. Bon, avant, elle faisait des vidéos de gaming, et maintenant, c'est plus tout ce qui est React et tout. Elle a suivi la trend de streamer, quoi. Un peu, ouais. Un peu. Mais elle est pas sur... Enfin, elle a un compte Twitch, mais elle est surtout sur... Sur YouTube. Sur YouTube. Désolé, Jade. Et surtout sur OnlyFans. Non. Ah. Ça, c'est honteux. Elle est pas sur OnlyFans. Hein. Arrêtez de déconner. Là. OnlyFans, c'est une très bonne plateforme de streaming. Hein. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font du contenu pour adultes qu'il faut voir ça mal. Hein. Non, mais elle est pas sur OnlyFans. Arrêtez. Elle est très gentille, Dooms. Sachez que même si elle a 2 millions d'abonnés, bah, elle est quand même... Elle garde quand même la tête sur les épaules. Hein. Moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, du coup, cet après-midi, il y a ma fille qui tombe sur une vidéo de elle sur YouTube.
Et elle me fait « Ah papa !» C'était une vidéo de jeu qu'elle faisait. D'ailleurs, j'apparais dans une des vidéos de jeu qu'elle faisait sur Ark. Moi sur Ark. Et bref. Mais en fait, du coup, elle cherchait quelqu'un pour faire une partie sur Ark. Et je lui dis « Si tu veux, je suis là, mais... je suis pas un expert. » Et on avait fait une vidéo. Et en fait, on était sur une île et on n'a jamais réussi à se trouver. Oh putain, vous êtes sur Island et vous vous retrouvez pas, quoi. Ah, je vois. Bref, j'étais très nul, moi, sur Ark. En tout cas, elle est très sympa, Dooms. Et je l'avais vraiment connue à ses tout débuts, quand elle avait 2 ou 3 abonnés, même 1. Je crois que c'était moi, son premier. Elle avait fait un jeu... C'était un jeu d'enquête en noir et blanc. C'était en 3D, mais en noir et blanc. C'était assez spécial. Ah ben... Call of the Obradine ? Non. Très cool, The Obradine, d'ailleurs. C'est un jeu d'enquête. Il y a un jeu qui se fait à deux, entre guillemets, et tu dois plus ou moins guider l'autre sur des trucs, par exemple. Pour désamorcer des bombes ou avancer, faire des niveaux et tout. Il est très très bien fait. Tu pourrais peut-être le faire, je sais pas, avec un viewer, hein, qui tu veux. C'est quoi le nom? Alors, faut que je le retrouve. Je t'écrirai ça si tu veux. Et il est très bien fait et vraiment, il est assez dur. Et prends un viewer intelligent, hein, donc oublie-moi. Hein, je suis là, hein. Comment tu te dénigres? Moi, je te considère vraiment pas comme pas intelligent. J'ai vu le jeu, mais... jamais on va s'arriver à se coordonner, hein. Jamais on va arriver à se coordonner, hein. Justement, il faut ma droite et ma gauche et il faut guider à droite ou à gauche. Ça serait drôle, justement. Là où il faut désamorcer des bombes, Wolf. Salut, Wolf. En tout cas, elle est très sympa, Doubs. J'avais honteusement, mais alors très honteusement, stream snipé Avamind et AlphaCast qui étaient sur Demon's Souls sur PS5. Je me fais spam à la tête. Mais non. Et j'avais essayé de les choper. Enfin, j'avais réussi à envahir leur partie. J'ai essayé de les choper avant qu'ils aillent au boss de la zone, mais ils sont arrivés avant moi, et puis finalement, AlphaCast, il était en mode oh, « je redescends, je me le fais ». C'est les deux mélangés, c'était les deux mélangés je vais chercher, attends. Puis c'est très marrant parce qu'il est descendu de l'ascenseur final, enfin pratiquement final quoi. Mm-hmm. On s'est battu 5 secondes et il s'est foutu dans le vide. Ah merde! Ouais, j'ai le même nombre d'heures que toi sur Ark. Moi j'aime bien AlphaCast. 2083 Simuli. Le jeu. J'aime bien AlphaCast. Moi je vais m'arrêter. Hein, sur... Ouais, c'est pour ça que j'ai rien relancé. J'aime moins Avamind, mais j'aime beaucoup ce que fait AlphaCast. Oui. Il est tranquille, il est pépère, Alpha. Ouais. C'est un streamer bon pour la santé. Il fait les trucs qu'il aime. Il fait ses petits lives peinture Warhammer qui durent plusieurs heures. Et il aime ça. Et c'est très bien. Ouais, j'ai pas fait de PVP. Moi, j'aime pas le PVP. Je vais juste... retourner... Au forgeron. Évidemment, excellent aussi. Ouais, j'aime beaucoup ma gaming, moi aussi. Mais j'ai beaucoup suivi tout ce qu'il faisait sur Total War. Mm. Et je pensais que j'aimerais pas le voir sur un autre jeu. Et en fait, là, en ce moment, je suis en train de me faire ces VOD sur Subnautica. Et c'est un délice, quoi. Il paraît qu'elles sont pas mal, ouais. Je peux livrer des objets requis pour l'intendance. Comment ? Incroyable. Couis-je ? Qu'entends-je ? Quelle est donc la livraison ? Ah, c'est pour vendre la tequila en plus ! Let's go ! Voilà, il va falloir rajouter les mots de tequila.
On a eu une explication potentielle pourquoi Wild sort pas cette année. Ils font un remaster de MH Story 1 qui sort cet été. Oh. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Dommage. Il va être sur quel moteur de recherche, quelqu'un sait, pour le MH? Sous quel moteur de recherche tu viens de dire? Quel moteur de graphique, quel moteur? Oui, elle est fatiguée, la pauvre. Oui, c'est... Ouais. J'ai dormi 2 heures hier, et puis une heure hier avant-hier. Ouais. Ouais, je pense que tu peux, ouais, on a compris. Tout à fait, oui, tout à fait. Allez, j'ai une première régénération. Je vais augmenter le nombre d'emplacements. Une fois. Ah! Dommage. Je pensais que ça allait me demander les mêmes composants, mais visiblement, il me manque un truc pour avoir l'emplacement niveau 2. Oui, il te manque le Rage Lang Alpha au fief. Oh putain! Je suis pas là, j'ai pas entendu. Quoi? Génial! Je bégaye un peu, moi. Bah, il peut apparaître que dans le biome volcanique niveau 7, donc c'est vous qui l'avez. Hein. Oh non! Ça pour le coup, c'est moi qui viens volontiers parce que je peux pas le faire moi-même avec mon biome. Ok, bah on ira. Génial! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Eh oui, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, j'ai quand même un doute. Bon, moi, j'ai la régénération niveau 1. J'ai pas sauvegardé. C'est pas grave, t'as toujours les compos. Ça sauvegarde quand tu quittes le fief. T'auras juste à... En plus, tu l'as mis dans ta liste de souhaits. Tu le verras directement que tu peux le faire. J'ai envie de me tabasser les boules. Bon. Pourquoi les boules? Parce que ça fait mal. Pourquoi pas? Ouais, ok. On n'est pas ici pour King Shame, hein, de toute façon. Eh, hey, Eternal, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu sais comment on donne plus de liberté à une femme? Fais gaffe à ta réponse. En agrandissant la cuisine. Yes. On fait fermer sa gueule à un homme. Non, vas-y. Bah, je lui mettais un coup dans les boules. Oh là là, je trouve alors, tout de suite la violence. J'ai aussi une blague, mais elle est un peu sale et très adulte. Vas-y. De toute façon, on est entre adultes ici. Hein. Oui. Est-ce que... Ou presque. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit d'une autre manière jouir dans une femme? Non, je la connais. Vas-y. Remplir le lave-vaisselle. Yes. Éternel, est-ce que tu connais la différence entre une femme et une tornade? Non, vas-y. Elles arrivent chaudes et humides et repartent avec la maison et les clés de la voiture. Hein. Ok. Ouais. Éternel qui font toutes des blagues misogynes sur la gueule. Alors là, elle a pris toutes les balles perdues qui lui étaient... Elle a rien demandé. Ça sera clippé et envoyé à ta femme. Je lui fais souvent, donc... Elle dit quoi? La dernière fois, ma femme... Non, elle m'a dit baf direct. Je la regarde et je lui fais... Hé, hey, tavernière, quelle est la différence entre des grenouilles et des femmes? Elle me regarde, déjà énervée, elle fait quoi? Je lui fais, mais aucune, il n'y a que les cuisses qui sont bonnes. Elle m'a tapé. Ouais. Bon. Mais bon, je peux pas. Alors, c'est pas ma faute. Moi, je peux pas faire confiance à une bête qui saigne une fois par mois sans mourir. Il est con, Bounty. Moi, je peux pas faire confiance à une bête qui saigne une fois par mois sans mourir. Qui est con. Ah, bah désolé, Éternel. De quoi, Jean? Oui. Désolé. Pas grave. Désolé pour ce moment. Ah, oui. Bounty, hein. Après, c'est pas comme si je m'en aime le faire confiance, en fait. Hein. Donc ça va, je m'en remets. Non, mais je comprends toutes les blagues dedans aussi, c'est pour ça que je te dis désolé.
Bon, n'hésitez pas à mettre vos idées de jeu dans idées de jeu sur le Discord. Je vais mettre une idée de jeu. Parce que j'ai absolument tout oublié. Tout. Je me souviens plus de ce jeu auquel vous m'avez parlé ce soir. C'est Opération Tango. Opération Tango. Voilà. C'est sûr. Non mais voilà, on est des hommes, donc on est un peu cons des fois aussi. C'est normal. C'est pour ça des fois qu'on fait des blagues un peu nulles. Hein. Oui. Et il est pas mal du tout, Opération Tango. Hein. Je l'ai vu en stream. Alors, faut prendre un joueur intelligent, quoi. En tout cas, passez tous les deux une très bonne soirée et merci à vous. Bonne soirée. Repousse pas bien, à plus. Ouais, c'était pas si mal mes blagues quand même. Hein. C'était pas si mal, hein, non? Allez, je vais vous envoyer un raid. Mais qui voilà? Qui voilà? Est-ce un chat ou un petit Marco? Je vais vous envoyer chez mon très cher Marco Rowe. J'aime beaucoup Marco. Vous allez voir, il est gentil. Il est très gentil, Marco. En plus, il fait du Elden Ring, ça tombe bien. Hein. Bref, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Merci une nouvelle fois à Bounty pour tous les subs. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir et de m'avoir apporté votre joie et votre bonne humeur. Du coup, des fois, on se demande qui c'est qui apporte le plus à l'autre. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est vous, quand même, qui m'apportez plus, hein, que moi, je vous apporte. Bref. Une très bonne soirée à vous et on se retrouve samedi soir de 23h30 jusqu'à 3h30 du matin pour du DS1. Et ce sera pareil pour dimanche, sauf qu'on ira jusqu'à 5h du matin. Bonne soirée à vous et à très vite. Ah ben merde, j'ai pas lancé. Mais qui est con ce streamer ? Là du coup, il faut que je meuble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors c'est l'histoire de Toto, Toto qui a vu sa maman dans son lit. Oh mais putain, il y a la pub.